Merci, Monsieur le Premier ministre Marco Rutte, pour l'organisation de ce sommet sur l'adaptation au climat. Pays côtier et sahélien, le Sénégal fait face à l'urgence climatique en agissant sur trois principaux fronts. L'investissement massif dans la transition énergétique, ce qui porte à 34% la part des énergies propres dans nos capacités électriques installées à ce jour. La reforestation et la restauration de la biodiversité, avec 53 forêts aménagées et plus de 7 millions de plants mis en pépinière. Enfin, la lutte contre l'érosion côtière, dont l'un des derniers projets phares nous a permis récemment, en partenariat avec la Banque mondiale, de sauvegarder une importante zone côtière avec la restauration des plages et une zone qui a sauvé donc 17 hôtels et plusieurs autres activités liées au tourisme et à la pêche. Je remercie tous les partenaires qui soutiennent nos programmes d'adaptation au climat, comme les Pays-Bas. En complément des efforts nationaux, j'appelle à l'amélioration des mécanismes de financement bilatéraux et multilatéraux afin qu'ils soient plus accessibles, plus diligents et plus efficaces. Ensemble, restons mobilisés et solidaires dans l'adaptation au climat pour sauver la planète, notre habitat commun. Je vous remercie.